L'Institut africain de management IAM a remis des parchemins à 23 étudiants admis au diplôme de baccalauréat américain après 45 jours de formation. Depuis 5 ans, l'IAM, en partenariat avec American School of Leadership, organise ce diplôme pour les étudiants de son institut. La remise des parchemins est intervenue ce 15 septembre en présence de notre reporter Serge Badeau. 45 jours de formation afin de passer le high school diploma, le baccalauréat américain. L'Institut africain de management organise cet examen pour permettre aux étudiants désirant poursuivre leur scolarité à l'extérieur d'avoir les atouts nécessaires. Ils sont 23 ce jour à recevoir le parchemin après cet examen subi. Et pour le directeur général de IAM, c'est le début d'un autre processus dans leur vie. Le message que nous leur lançons, c'est un message de félicitations, d'avoir les encourager. Mais surtout les alerter pour qu'ils prennent conscience que le parcours qui reste à faire est quand même assez long et parsemé d'embûches. Leur dire qu'ils passent à une autre étape de la vie, c'est l'étape de la vie étudiantine, donc qui est un autre monde, un monde avec d'autres réalités différentes du monde du secondaire. Et je pense qu'ils l'ont compris dans les messages que nous allons livrer lors de la cérémonie de graduation. Très heureux d'être admis à cet examen, les récipiendaires voient déjà les opportunités qui se présentent à eux. J'ai de faire, de poursuivre mes études en faire le commerce international. Vraiment, je suis contente, je suis heureuse parce que le high school m'a donné une autre opportunité d'avoir mon bac américain, même en étant au Burkina Faso. C'est quelque chose vraiment. Je trouve que c'est cool, ça me plaît bien, je suis très contente, heureuse. Moi j'envisage faire le marketing et j'espère continuer ici. Les cours et les épreuves sont dispensés en anglais ou en français. Le high school diploma est ouvert aux titulaires ou non du baccalauréat. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. La suite avec l'information, c'est tout à l'heure à partir de 16h en Morée puis en Djoula. Bonne suite au programme sur TRUTV. Thank you.